Oulala, c'est bon, les enfants sont couchés. Oui, j'espère, parce que ce soir dans Level 1, on va jouer à Nightmare Creatures 2. Et comme vous voyez derrière moi, c'est saignant, assez glauque et pas mal. Marcus Frankenstein, il me met toujours des synthés rigolos depuis quelques temps. Merci Pierre, ça me fait beaucoup rire. Donc des monstres en pagaille, et puis comme on va les charcuter un peu dans tous les sens, ça va être assez glauque, donc les enfants, allez vous coucher. Ce n'est pas pour vous, regardez, c'est vraiment très inspiré de l'appel de Cthulhu. Il faut dire que les petits gars de chez Callisto qui ont fait ça sont très très fans de Lovecraft. Ils ont créé un univers très ressemblant avec un asile de fous, un personnage très torturé, ça rappelle un peu Soul River aussi. Allez, on y va tout de suite. Je voulais vous faire voir le menu aussi, parce que déjà rien que le menu d'intro, il est beau, regardez, comme il est beau ce personnage. Vraiment c'est beau. Voilà, regardez, rien que le menu déjà, c'est assez fabuleux avec le grimoire qui s'ouvre, la hache qui brille, et le mec qui se fait découper. Alors regardez, en plus, il y a un truc assez drôle, c'est que quand on éloigne le paddle, regardez, le personnage est toujours scotché au hachoir, ils ont du mal à le détacher à chaque fois, découper en deux, et il est collé. Bon allez, tout de suite, tac, j'appuie sur la hache et on va partir friter des monstres. Le principe de Nightmare Creatures 2, il est aussi basique que celui du premier. Ça va consister évidemment à se promener dans des endroits lugubres et vraiment flippants pour casser du monstre en petites rondelles, les découper en petits bouts de saucisson. C'est très joli, mais l'intérêt c'est d'aller là-dedans et de flipper évidemment. Mais c'est vraiment très basique, mais pas mal quand même, surtout qu'il n'y a pas beaucoup finalement de jeux d'horreur, à part la série des Resident Evil. Bon allez, je passe la séquence d'intro, on va y aller directement. Il n'y a pas beaucoup de jeux finalement d'horreur flippant avec du sang, des trucs comme ça, donc quand on en a un, on est content de l'avoir. C'est vrai que ça fait plaisir. Alors vous allez découvrir le héros, on l'a vu un peu pendant l'intro tout à l'heure, la petite scène cinématique. C'est un gars couvert de bandelettes. On peut même se demander si ce serait pas Lara Croft qui se réveillerait après une séance de chirurgie esthétique qui aurait plutôt mal tourné, parce que vous allez voir qu'elle est couverte de bandelettes, la pauvre. Elle a pas l'air en grande forme. Apparemment, les injections de collagène se sont mal passées depuis Tomb Raider. Je sais plus à combien on en est, 4, 5 déjà. Elle est morte à la fin du dernier Tomb Raider, donc apparemment, ils ont retrouvé des petits bouts, voilà. Et ça a un peu foiré l'opération de chirurgie esthétique. Donc elle est pas contente du tout, donc elle va aller casser la gueule à tout le monde à coups de hache. Elle a bien raison, faut pas se laisser faire. Allez, tout de suite, pof, première porte. Je s'embarrasse pas avec les poignées de porte dans ce jeu, apparemment. C'est soit des coups de latte, soit des coups de hache. C'est assez direct. Il est très direct, ce garçon, très franc. Bon, c'est évidemment pas Lara Croft, hein, je rigole, mais vous allez voir que parfois c'est aussi peu jouable que Lara Croft. Il y a des petits problèmes de jouabilité, pas tout le temps, heureusement. Tiens, là, je suis allé dans une autre pièce, j'ai récupéré ça, qui est un sort que je pourrais utiliser pour me battre contre certains monstres. Donc vous voyez que la caméra vous suit partout, vous pouvez pas changer de mouvement de caméra, vous pouvez pas regarder autour de vous par exemple, tout se fait automatiquement, pas toujours très bien d'ailleurs, il y a des moments où on a un peu du mal à repérer les monstres et tout ça. Oh, il est en train de me manger la tête. Mais dans l'ensemble ça suit quand même à peu près bien. Bon, il y a des moments évidemment où c'est un peu la panique, où la caméra a du mal à suivre et du coup nous aussi, mais dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Bon, mais veux-tu bien mourir, monstre mort-vivant? Ça prend du temps, hein, voilà, allez, on va l'achever. Je fais pas la fatality tout de suite, je garde ça pour le dessert, vous verrez tout à l'heure. Donc il y a vraiment un souci du détail impressionnant. Bon, le héros, il n'est fugé par contre, je sais pas, regardez, il a un petit imperméable qui brûle jamais. Par contre, si vous regardez bien, l'imperméable est couvert de sang sous mon coude. Regardez, je vais le mettre peut-être un peu plus à la lumière. Vous voyez, il a le petit imperméable qui est ensanglanté. Donc c'est vraiment, il y a des super détails dans ce jeu. On sent que les créateurs se sont amusés à créer des monstres et des créatures vraiment très très détaillées. Regardez, celle-là, elle est superbe. Elle a des longues jambes interminables comme Adriana Carambeu, mais elle est un peu moins jolie. On va demander à Christian Carambeu s'il veut échanger. Je lui file mon monstre et je lui prends Adriana. Voilà, en tout cas, elle est toute nue, mais ça donne pas envie quand même. On va l'achever plutôt à coups de hache, plutôt que lui faire des bisous, c'est un peu triste. Alors vous avez vu comment ça gicle derrière. Dès le début, on est quand même qu'au début du jeu, et ça gicle déjà pas mal du tout. Clac, un petit coup de hache pour la finir, voilà. Ouf. Donc c'est vraiment glauque, regardez les asticots par terre, ceux-là on peut rien leur faire. Alors, par contre le personnage peut sauter, je vais passer par-dessus la civière et on va continuer d'explorer cet endroit. C'est un asile, en fait un asile de fous, comme on les aime dans Lovecraft. Oh, vous avez entendu le bruit de la chaîne, ça j'adore ça, je repasse, voilà. C'est le genre de truc, ça fait très très fantôme, ça vous file des frissons. Là il y a une petite clé, on la voit à peine. Il y a des petits éléments, qu'est-ce qui lui arrive, un petit bonhomme ne veut pas sauter. Il y a des petits éléments de jeu d'aventure très très basiques, un peu comme dans les Resident Evil, avec des clés pour ouvrir des portes, des tenailles pour couper des chaînes, etc. Donc vraiment, c'est très très basique. Ça commence à Londres, je vous le disais, mais après on ira à Paris. Enfin pas là, parce qu'on fait que level 1 nous, mais il va se baigner un peu déjà.
On visitera la Tour Eiffel, le Palais de la Découverte, enfin des endroits comme ça. Pas mal et assez sympa. Il nageait pas dans l'épisode précédent, je crois. Il me semblait pas l'avoir vu. J'ai pas beaucoup joué, mais je l'avais pas vu nager. Donc il a appris à nager entre temps, le héros, ce qui est plutôt pas mal. Bon, par contre, je sais pas par où on sort de cette petite piscine un peu crado en plus. Voyons voir. On n'y voit pas très clair. En plus, là, moi j'ai des projecteurs dans la tronche. Le jeu est quand même très très sombre. Hein. Si vous jouez chez vous, je vous recommande de fermer les rideaux et les volets. En plus, c'est quand même comme ça qu'on se marre le plus. Parce que c'est beaucoup plus flippant. Ah voilà, il y a une petite marche et une fenêtre. Donc je vais grimper à la fenêtre. Oh bah il a grimpé du premier coup cette fois. Des fois, il faut s'y reprendre à 15 fois pour arriver à grimper sur une petite corniche. Encore une fois, un peu comme dans les Tomb Raider, c'est pas toujours très très précis. Et des fois, on se demande pourquoi ça marche pas. Donc là, ça marche, tant mieux. Ah, là, il fouille dans ses bandelettes. Il va utiliser la clé que j'avais tout à l'heure pour rentrer à l'endroit suivant. Ouh, un monstre m'attend derrière les grilles. Ah, faut pas venir mon vieux, il y a les grilles. Bon allez, tant pis, on va y aller nous, puisqu'il peut pas venir. Clac ! Il n'aime pas plus la forgeronnerie que la menuiserie apparemment. Le fer forger, c'est pas son truc. Casse tout à coup de hache. Ah, je me fais manger la tête ! On peut rien faire quand on s'est fait choper comme ça. Il faut subir un peu la petite scène cinématique où on voit le personnage en train de se faire dévorer. Ce qui est assez graphique et un peu frustrant en même temps. Là, ils sont deux contre moi. Yes! Oh, il est monté sur le buisson, on va le finir en lui niquant les genoux, voilà, comme ça on n'en parlera plus. Ah, lui il m'a mangé. Alors j'aurais pu utiliser mon petit sort depuis tout à l'heure. Là par exemple, j'utilise une attaque à distance, regardez bien, il fait un petit coup vers l'avant. Et ça permet de renverser l'adversaire, ce qui est plutôt pas mal. Bah évidemment, j'ai raté deux fois de suite. Et voilà, et chaque fois je rate parce qu'il part, on peut évidemment parer les coups. Fatality, je vous le ferai tout à l'heure. Ne soyez pas impatients. Donc voilà, les coups, comment ça se passe? Ils sont assez peu nombreux. Ça correspond au bouton de la manette. Donc on a une attaque de loin, que j'ai fait tout à l'heure. On a une attaque de près, des coups de pied, tout ça. Et on peut essayer de faire des combos en faisant par exemple croix, croix, carré ou des choses comme ça. Ça fait des coups un petit peu plus évolués. Mais en fait, on a quand même assez vite fait le tour. Ah, et lui, tiens, bah, je vais utiliser mon sort, regardez. Hop, je vais y mettre le feu à ce gars-là. Enfin, il faut que je recule un petit peu. Hé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté mon sort, apparemment c'était sous mon bras. Si, ça a marché, voilà. J'ai réussi à lui exploser ça, on l'a pas bien bien vu, c'est dommage. En tout cas, il a des pouvoirs magiques, le héros. Il n'y a pas que la hache, c'est pas que manier la hache dans la vie. Il manie aussi plutôt bien les pouvoirs magiques. Et il grimpe très bien aux échelles, gracieusement. J'aime beaucoup ses mouvements, on a vraiment un personnage très torturé, ça rappelle un peu Soul River. Soul River, Soul Riven, j'ai toujours du mal, c'est Soul River, je crois. Je sais pas pourquoi je veux dire toujours Soul Riven. En tout cas, c'est le même genre de jeu avec un peu de plateforme et puis surtout beaucoup de bagarres. Alors là, je suis sur le toit d'un immeuble. Je vais péter les vitres, c'est un vrai garnement. Clac. Allez, descends mon garçon. Là, j'arrive dans la laverie de l'asile. C'est là où on entrepose le linge. J'aime beaucoup les décors, je les trouve vraiment très très réussi. Et on va faire comme dans les James Bond ou les Louis de Funès. On va sauter dans le conduit du linge. Voilà. Hop, oui, ah oui, ça a pas fait mal. Tombé sur un caddie de supermarché. Ça doit faire mal au dos. En plus, il est quand même très très mal en point. Regardez, ma jauge de points de vie, il me reste pas grand chose. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ce petit cœur qui était dans la vitrine. Et j'entends comme une respiration. Il a besoin de pastilles contre la toux, le gars. Il doit être en haut. La stéréo est très bien gérée. On sait à peu près d'où viennent les monstres. Ça, c'est assez réussi. Je vais grimper. Et oui, il y a un monstre. Bon, lui, je vais être très prudent parce qu'il me reste quand même pas beaucoup de points de vie. Voilà, et je me fais manger le cerveau tout de suite. Donc, on va essayer de l'achever en restant un peu à distance. Voilà, c'est ce que je faisais tout à l'heure que j'arrivais pas à faire. C'était de taper à distance. Je peux aussi me protéger, moi. Et voilà, il est mort, mon gars. Donc, ça va nous permettre de voir que quand on meurt, on repart de pas trop loin. Vous voyez, j'ai trois options continues. Donc, je vais repartir un tout petit peu avant. Voilà, juste en bas du truc. Donc, c'est plutôt sympa. C'est bien parce que ça met quand même la pression de pouvoir mourir sans sauvegarder là où on veut en fait. Parce que vous savez comment ça, en général quand il y a des monstres on sauvegarde juste avant un gros monstre. Du coup on est à peu près tranquille. Bah là on peut pas le faire, on est obligé de sauvegarder quand il y a des grimoires. On verra ça tout à l'heure. Donc ça oblige à être un petit peu prudent. Ça met la pression et du coup on flippe pas mal finalement dans ce jeu je trouve. On sursaute de temps en temps. Et puis surtout, on a peur. Bon, allez, je vais vous faire la fatality puisque tout le monde le réclame. Voilà, c'était assez simple. Mais il s'acharne, le petit bonhomme, il n'en a pas fini. Donc, quand vous voyez écrit fatality, ça veut dire que l'adversaire est à moitié mort. Hop, un petit coup de hache sur ce truc. Si j'y arrive, voilà, c'est passé au vert. Ça veut dire que ça va m'ouvrir la porte qui est un peu plus bas. Je vais récupérer des tenailles, voilà, qui sont là,
qui me permettront de couper une chaîne qui se trouve un petit peu plus loin. Fatality, j'étais en train d'expliquer tout ça. Quand le monstre en face de vous est à moitié mort, vous pouvez l'achever d'un seul coup. Enfin, d'un seul coup, il s'acharne quand même, mais c'est en appuyant sur deux boutons, carré et croix, en même temps. Donc vous voyez, c'est assez simple, il y a des combos, on peut essayer carré, croix, 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 carré, rond, plein de trucs. Et puis on a aussi les Fatality. C'est un bon petit système de combat, assez simple, mais du coup assez répétitif, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'on s'en lasse assez vite. Au bout d'une trentaine de bagarres, c'est un peu toujours la même chose. Bon, un peu plus loin, vous trouverez un pistolet. Allez, encore une Fatality. J'ai pas eu le temps, il est mort avant. Vous trouverez un pistolet, vous pourrez un peu tirer sur les gens et tout. Changer d'arme de temps en temps, mais ça reste quand même très très basique. Vous voyez, quand je vous disais que c'était pas toujours très jouable, pour attraper cette espèce de bonus là, il faut être quand même très très précis. C'est pas évident. Puis les sauts sont pas toujours très précis non plus. Ah, voilà le fameux grimoire. Donc là, par exemple, je pourrais sauver si je voulais. Je vais pas le faire. Voilà, je confirme, non. Mais je pourrais sauver. Là, on a vu, les menus sont en anglais. Évidemment, vous aurez tout ça en français. Vous en avez une version qui n'est pas tout à fait finie. Nous. Ah, regardez, une chaîne. Je vais donc utiliser le petit... Le cric-cric, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. La pince, monseigneur, la pince à linge. La pince coupante, voilà. Pour ouvrir. Il met quand même un coup de pompe dedans. Il ne peut pas s'en empêcher. Il n'aime pas les portes, ce gars-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, vraiment, les décors sont glauques à souhait. Et ça gigue de partout. Il y a une option pour atténuer un peu le sang, pour qu'il soit noir par exemple. Si votre religion vous interdit de faire couler le sang rouge, vous pouvez peut-être faire couler le sang noir. Ou carrément un peu moins de sang, ou pas de sang du tout. Donc on peut avoir ces options là, voilà. Allez, peut-être lui faire une Fatality. Voilà, regardez, plaf. Où qu'elle est la tête, et hop, on lui en met un petit coup pour la fin, pour la route. C'est vraiment glauque, hein. Heureusement que j'avais prévenu. Les enfants, j'espère que vous êtes couchés. Et les adultes, c'est accord parental souhaitable. Donc si vous avez genre 34 ans comme moi, appelez votre maman, demandez-lui si vous avez le droit de de regarder ce level 1. Oula, là on va tomber sur des monstres un peu moins rigolos, un peu moins fastoche. Donc je vais commencer à parer les coups, ce sera beaucoup plus prudent. Et puis je vais utiliser, regardez, j'ai utilisé un sort, ça lui plaît pas du tout, il a de la fumée autour de la tête. Ah, il m'a eu, zut. Il m'a eu alors que j'allais lui coller ma Fatality. Je suis dégoûté. Dommage, en plus j'ai gaspillé mon sort du coup. Bon, c'est pas grave, vous voyez, on reprend juste un petit peu avant. Donc c'est quand même pas trop frustrant. Juste assez pour que ce soit un peu flippant, ce qui est quand même plutôt bien dosé. Ah, et puis là, évidemment, je n'ai plus de sort. Donc, on va essayer de s'en occuper. En général, il y a quand même des petites finesses. Les monstres, certains monstres, sont plutôt sensibles à certains types de coups plutôt qu'à d'autres. Lui, par exemple, je pense que c'est l'attaque de loin. Donc je vais essayer peut-être de me tenir à distance. Pour le moment, c'est pas brillant, je morfe pas mal. Voilà. Parce que lui aussi peut parer les coups. Regardez là, par exemple, je pare les coups, il peut rien m'arriver. Voilà. Tant que je reste comme ça, voilà, il peut frapper, ça ne me fera rien. Mais lui aussi pare les coups, donc faut que j'arrive à trouver le coup que lui réussit le moins à parer. Ah voilà, Fatality, allez, on s'en occupe. Pouf, voilà. Et vas-y que je t'écrabouille et je retire la hache du foie. C'est vraiment, c'est glauque, hein. On avait prévenu. Il n'y avait même pas un petit bonus sur lui. Avec le mal qu'il m'a donné, c'est quand même un peu dommage. Allez, encore une porte en bois. Il les aime pas, les portes en bois. On va voir s'il y a d'autres bestioles un petit peu plus loin. Donc l'idée, c'est de jouer à se faire peur, évidemment. Oh là, lui, il va me lâcher une caisse. Ce qui n'est jamais très poli. Mais... Ah, viens là, mon petit bonhomme. Oh là là, je suis en train de morfler. Je pense que je vais mourir avant. Avant, rien du tout. Avant, tout de suite. Je suis encore mort, oui. Je suis pas assez concentré sur ce que je fais. Puis j'y vois pas grand chose pour tout vous avouer. C'est vraiment un jeu très très sombre. Hein. Vous avez intérêt à monter la luminosité de votre télé si vous voulez jouer. Mais en même temps, les recoins sombres, ça fait peur. Donc c'est plutôt bien, moi je trouve. J'aime bien. Puis j'adore le héros, vraiment. Surtout la façon de s'habiller. C'est très classe. Vous avez vu, dès que je me tais, ça fait peur un peu. On se sent tout seul et on entend des hurlements et des grognements dans le fond. Ouh! Oh là 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 là, ah, ça fait très mal ça. Bon alors c'est quoi que t'aimes pas toi? Apparemment le coup de hache ne fait pas grand chose. Je vais essayer peut-être un truc. Voilà, ça marche pas trop. On va le laisser venir, voilà. On va le frapper. Ah ouais, ça il aime pas. Apparemment les attaques de loin, il n'aime pas. Donc je vais reculer un peu. Vous voyez, c'est quand même assez basique hein, comme combat au bout d'un moment.
Ah là, je le touche pas, il part à chaque fois. Et moi, je pense pas à parer, donc je suis en train de me faire latter comme un pauvre diable. Que je suis d'ailleurs, parce que dans l'état où il est, c'est assez terrible. Oh là 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 là! Ça fait 3 fois, c'est terrible. Et il me reste plus que 2 options continues. Ben zut alors. Ça veut dire que ça change apparemment à chaque fois. Parce que la dernière fois que je m'étais battu, il n'aimait pas les coups de loin. Alors que là, il a l'air de plutôt bien résister. Donc peut-être que les monstres s'adaptent aux coups qu'on leur porte. Ce qui serait assez malin de leur part, je trouve. Et face à un cerveau aussi peu brillant que le mien, autant dire que c'est fastoche. Bon, on va essayer de réfléchir un peu au lieu de taper bêtement. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Mais non, je n'ai pas enlevé le contrôleur de rien du tout. C'est ma manette, peut-être analogique, qui merdouille un petit peu. J'y touche à rien pourtant. Ça vous prouve que Level 1, c'est pas truqué et que c'est toujours dans les conditions du direct. Sinon, je serais pas aussi mauvais et on prendrait avec soin les prises où je suis meilleur. Voilà, c'est l'heure en plus, donc j'aurais même pas le temps de le tuer jusqu'au bout. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu le finir. C'est plutôt lui qui va me finir en fait, je suis très prétentieux là. Bon allez, soyez sages, Nightmare Creatures 2 de Callisto sur PlayStation. Si vous aimez le frisson et l'horreur, c'est pas mal du tout. Allez, soyez sages et puis à bientôt, ciao. Bon, je vais la voir, oui.